L'espace sud aménage votre avenir. Monsieur le maire des Anses d'Arlay, monsieur le président de l'espace sud, Eugène Larcher, bonjour. Dites-moi, nous sommes aujourd'hui aux Anses d'Arlay, encore une fois, j'aurais tendance à dire, puisque la Mercury Beach, il y a quelques jours, cette semaine, plusieurs étapes du Tour des Yoles. Comment faites-vous pour dynamiser votre commune à ce point ? Eh bien, bonjour. Effectivement, le territoire des Anses d'Arlay, c'est un territoire blotti entre mer et morne, avec 18 km de littoral. Cette année, le thème de la fête patronale, ça a été la mer. Nous avons eu l'inauguration du sentier sous-marin. Nous avons eu la Mercury Beach et deux étapes du Tour des Yoles. Là, la Mercury Beach, il y a eu beaucoup de détracteurs, on le sait. Mais ce fut une réussite totale. Tous ceux qui sont venus y participer sont repartis satisfaits. Aujourd'hui, nous avons la deuxième arrivée du Tour des Yoles après l'arrivée de Meroidi. Aujourd'hui, nous sommes là, les gens sont contents. Il y a beaucoup de monde, malgré le temps pluvieux. Il y a beaucoup de monde. Il y a un service de sécurité mis en place, un travail en partenariat avec les services de l'État et aussi avec l'espace sud. Dites-moi à propos de la pluie, oui, c'est vrai que ça dynamise un petit peu moins le monde à venir sur site, hein, mais comme vous le dites, il y a quand même du monde. Oui, il y a quand même du monde, hein, mais ça ne fait pas fuir. Hein. Le Tour des Yoles n'existe qu'en Martinique. C'est un événement, on pourrait dire, international, puisque vu le nombre d'étrangers, de touristes, des gens qui viennent voir, y participer, prendre leur plaisir à regarder ces sportifs de haut niveau. Alors, le Martiniquais aussi est présent. Le Martiniquais est venu voir malgré la pluie, c'est-à-dire la pluie ne gêne pas. Ce n'est pas un frein. On est là, on fait la fête, on est content de notre patrimoine. Eh bien, nous sommes là pour supporter tous ces sportifs. Merci beaucoup.